baba falalebe iragile ngirame forora Teme baba ninga falalebe iragile ngirame forora Imuti mirio kuime de irame kafera Imuti fefe suru de irame kafera Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir la CIAR TV au cœur de la nation. Bienvenue à bord du navire de Manège du Savoir, dont le gouvernail est tenu demain de mettre ce jour par le commandant Anton Monoboum, qui a bien voulu ouvrir un pan de voile de sa personnalité. Commandant, bonjour. Bonjour. Surtout bienvenue à la CIAR TV. Merci. Comment allez-vous? Ben, je vais bien, je vous remercie. Commandant, pourriez-vous nous parler de vous? Qui êtes-vous? Ben, je suis d'abord, comme vous l'avez dit, je m'appelle Monoboum Marcos. Je suis né à Douala et j'ai fait toutes mes études primaires à Douala et les études secondaires au collège Liberman. J'ai quitté le collège Liberman en 1964. Pour les études supérieures en France. Et je ne dis pas que j'ai choisi la marine marchande. Ouais. On m'a donné une bourse pour aller à l'école de la marine marchande. Normalement, j'avais souhaité... On sait qui ? Le ministère, le gouvernement, le ministère de l'éducation. Oui. Ouais. Normalement, quand j'ai passé le baccalauréat mathématiques, MATLM, j'ai eu deux bourses. Une pour la marine nationale et l'autre pour la marine marchande. Oui. La bourse de la marine nationale m'était donnée par le commandant de la base navale de l'époque qui cherchait des officiers pour la base navale, pour le commandement militaire. Oui. Et l'éducation nationale a souhaité que j'aille plutôt à la marine marchande parce qu'il y avait ce projet de la Cameroon Shipping Line. Yes. Et il voulait commencer à avoir des officiers de la marine. Alors finalement, j'ai atterri à la marine marchande et je suis allé à l'école nationale de la marine marchande du Havre, à Sainte-Adresse, oui, en France, où j'ai passé pratiquement 10 ans de formation. C'est une formation Bac plus 10. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait 4 années d'études théoriques, et puis 5 années de navigation passées en mer et une année de congé de navigation. Ça fait 10 ans en tout. Pour avoir... sans vous couper, un noir au milieu des blancs, ça s'est présenté comment? J'étais effectivement... Parce qu'à cette époque-là... À cette époque, à l'école, nous étions deux Africains. Oui. Deux Africains, un Ivoirien et un Camerounais. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'étais un peu moins dépaysé puisque j'avais quand même mon frère ivoirien. Oui, tout à fait. Ouais. Qui était là. Et nous étions dans la même chambre d'ailleurs. On partageait la même chambre. Ouais. Donc, je n'étais pas dépaysé. Surtout que intellectuellement, je me sentais à l'aise. Ouais. Hein. Je sortais quand même du collège Liberman. N'est-ce pas? Un collège qu'on ne présente plus aujourd'hui. D'accord. Hein. Donc, je me sentais à l'aise. Je n'étais pas dépaysé. Donc, j'avais aucun complexe. Voilà. Donc, j'ai fait tour à tour la classe d'élève au long cours, élève officier au long cours, lieutenant au long cours, puis capitaine au long cours. Tout ça, c'est des diplômes. Tout ça, c'est des diplômes, tout à fait. Mais le diplôme final de capitaine au long cours, on ne l'obtient que après avoir complété toute la formation, à savoir après avoir navigué. Après la théorie, vous allez en mer. Puis vous revenez à l'école pour présenter l'examen de capitaine au long cours. Oui. À l'époque, c'était capitaine au long cours. Aujourd'hui, on parle de capitaine de première classe. Oui. Parce qu'il y a eu une réforme qui a eu lieu. Et le capitaine au long cours, c'était un officier spécialisé. Alors que le capitaine de première classe est un officier polyvalent. Polyvalent, c'est-à-dire qu'il est en mesure de commander à partir de la passerelle, ouais, comme il peut gérer la salle machine, hein, les moteurs, voilà, il est polyvalent, il fait machine et pont. Ouais. Moi, j'étais essentiellement un officier pont. Voilà. Donc, j'ai terminé mes études
en 1970, et le brevet, je l'ai eu en 72, oui. Parce qu'il fallait un temps de navigation. Voilà. Après, il y avait des stages de navigation en mer quand même. Où j'ai navigué sur les pétroliers de la société Maritime Shell, une grande société pétrolière. Nous faisions des traversées entre l'Europe et le Golfe Persique. C'était assez périlleux. C'était long, c'était un voyage, c'est des voyages très longs. Donc quand vous partez d'Europe pour le Golfe Persique, vous passez un mois pour aller, un mois pour revenir. Voilà. Et c'est des traversées périlleuses. C'est pas de tout repos. On a même à un moment donné, j'ai connu une mer très démontée au niveau du Cap en Afrique du Sud, dans le canal de Mozambique, entre l'Afrique du Sud et Madagascar. Alors qu'on allait au Golfe Persique, nous avons essuyé un cyclone, oui, qui était vraiment très très fort, au point que je ne savais pas si on allait s'en sortir. Le cyclone vous a englouti, ça s'est passé comment? En ce moment, aucun appareil ne peut plus fonctionner, on est au gré, n'est-ce pas, du cyclone. Oui. Bon, heureusement, nous sommes rentrés directement dans l'œil du cyclone, il y a un peu plus d'accalmie. Et là, on attendait que le mauvais temps passe pour que nous reprenions notre route. Mais il fallait voir le bateau plonger et ressortait. Comme on dit, il tangue, ouais, hein, il plonge, il remonte. Quand il plonge vraiment vers le fond, vous ne voyez plus le bateau, c'est l'eau partout. Et commandant, sûrement vous avez fait votre acte de contrition, dit que c'est fini. Oui, mais j'ai fait mon signe de croix et j'avais dit allez à l'acte est. Hein? Bon, alors donc après ma navigation, on m'a demandé de rentrer au Cameroun. Parce que j'avais quand même une bourse de la République du Cameroun. Oui. C'est le Cameroun qui m'a donné cette bourse-là à travers la Caisse française de coopération. Vous vous sentiez un peu redevable envers redevable, le pays. Redevable, tout à fait. Il fallait que je rentre. Et le directeur général de l'époque, M. Simon Gagnon, qui était directeur général de l'Office national des ports du Cameroun, oui, a plusieurs fois m'a envoyé du courrier pour me demander de rentrer. Il a besoin que je rentre parce qu'il veut engager les travaux d'extension du port. Il semblerait même qu'on vous avait proposé un poste plus important de l'autre côté, mais tout à fait, vous aviez un choix à opérer. Tout à fait, mais j'étais déjà rentré au Cameroun. Oui. C'est à ma deuxième année au Cameroun que l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, m'a sollicité pour venir à Londres comme expert maritime. Responsable des pays d'Afrique francophone, oui, tous les pays francophones, y compris Madagascar et les îles Comores, avec la possibilité d'être directeur de l'Académie maritime, mm-hmm, qui sera créée plus tard à Abidjan. Oui. Abidjan. Bon, donc ce poste m'avait été proposé et mon ancien directeur général d'Ongan, Simon Gagnon, m'a demandé de ne pas partir parce qu'il y a, n'est-ce pas, le Cameroun qui a besoin de moi pour les travaux d'extension du port. Donc j'ai dû renoncer à ce poste pour participer aux travaux d'extension du port de Douala. Oui. Et heureusement parce que c'était un travail très très important. Hein, le port tel qu'il est aujourd'hui, c'est le port que nous avons travaillé ensemble avec Simon Gagnon. Oui. Donc vous ne regrettez pas, quoi que les autres vous trouvent comme un fou, abandonner meilleur ailleurs et choisir votre pays? Non, pourquoi abandonner? C'est mon pays qui m'a donné une bourse pour me former, mm-hmm, et je suis rentré pour servir mon pays. Je n'ai pas pu concrétiser un autre rêve, parce que quand même, directeur de l'Académie maritime, c'était quand même un rêve, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Puisque, pour la petite histoire, quand j'ai refusé d'y aller, on voulait un Africain, oui, et on leur a dit allez le chercher au Cameroun. Il y a un commandant du port au Cameroun qui conviendra à ce poste. Ils sont donc venus vers moi, mais avant de venir, ils avaient d'abord écrit à Simon Gagnon et au ministre des Transports de l'époque. Oui. Le directeur de la marine marchande
M. Ouala, John Ouala à l'époque, avait souhaité que je parte. Parce qu'il s'est dit que je serais le responsable de toutes les marines marchandes d'Afrique. Et ce serait une bonne chose pour la marine marchande camerounaise. Mais Ngane lui a dit non, moi je pense que l'extension du port est plus importante que ce poste-là pour le Cameroun. Je souhaite que vous ne l'endoctrinez pas pour qu'il accepte de partir. Je veux qu'il reste. Alors comme j'avais d'excellents rapports avec mon directeur général, j'ai préféré le suivre. C'est pour ça que j'ai accepté de rester au Cameroun également pour que effectivement il y avait ce besoin. Le port était très petit. Il fallait vraiment l'étendre parce que le trafic augmentait. Le trafic augmentait. Il fallait qu'on fasse toutes ces extensions que nous faisons aujourd'hui, nous avons fait. Et vous voyez le port aujourd'hui tel qu'il est. Et qui c'est à l'époque, il s'est parmi les premiers ports en Afrique, non seulement en trafic, mais également, n'est-ce pas, dans sa gestion et son commandement. Capitaine Monoboum, nous saluons votre nationalisme, parce qu'il fallait le faire pour qu'aujourd'hui nous ayons quelque chose de beau. Parlez-nous, commandant, de cette marine marchande, c'est quoi? Quels sont les métiers qu'on peut développer là, quand on prend cette filière, on s'attend à quoi? On forme les jeunes à quoi? La marine marchande, surtout le transport maritime, au niveau de la marine marchande, c'est pour assurer effectivement le transport par mer des marchandises. Dans le monde, le plus gros tonnage transite par la mer. Parce que l'avion ne peut pas assurer tout ce tonnage de marchandises entre les différents pays. Et c'est pour ça que le transport maritime est développé. Et ce transport maritime donc, se fait donc et est encadré par les administrations de chaque pays. Et c'est pour ça qu'il y a une marine marchande dans chaque pays. L'Organisation maritime internationale est dans le cadre international pour gérer ces problèmes de transport maritime. Et comme il y a beaucoup de problèmes de sécurité qui s'y posent, il y a donc beaucoup de conventions, beaucoup de réglementations qui sont développées, qui sont mises en place par cet organisme, qui est l'Organisation maritime internationale. C'est pour ça que quand on parle des bateaux, c'est les marins marchands de chaque pays qui sont responsables dans leur pays de la gestion des bateaux qui arrivent, des bateaux qui partent, des bateaux qui arrivent dans leur espace territorial. Oui. Voilà. Donc, on forme donc les officiers de la marine marchande pour pouvoir conduire les bateaux. C'était d'abord ça. On fait des officiers de la marine marchande, c'était pour le transport pour conduire ces bateaux qui transportent des autres marchandises. Et bien sûr, le transport maritime, ce n'est pas seulement le transport des marchandises. Oui. Il y a les passagers, il y a les paquebots. Hein. Il y a également les bateaux. Oui, il y a beaucoup. En dehors des marchandises, il y a des personnes aussi qui voyagent. À l'époque, c'est les bateaux qui arrivaient, c'est les paquebots qui arrivaient jusqu'au Cameroun. Oui. C'est parce que l'avion est très rapide que ça a cassé, n'est-ce pas, le transport passager. Parce que, vous voyez, un avion en 6 heures fait Douala à Paris, le bateau fera un mois et demi. Un mois et demi, c'est trop long pour les gens qui. Les hommes d'affaires. Commandant, parlez-nous un peu de ce trafic maritime. Pensez-vous qu'il est encore de l'avenir radieux? Est-ce qu'on peut conseiller les jeunes de regarder de ce côté? Et pour emblayer encore, poser cette question, savoir est-ce qu'il y a des structures ici au Cameroun qui forment les jeunes dans ce domaine? Le transport maritime n'est qu'à ses débuts en Afrique. Pour les pays en développement, on n'a encore rien fait dans ce domaine.
Nous avons essayé avec la compagnie Cameroun Shipping Line, où nous avions des bateaux qui transportaient nos marchandises sur l'Europe et qui ont amené des marchandises de l'Europe pour le Cameroun. Et on n'a pas pu continuer, c'est dommage, parce qu'effectivement, avec tout ce que nous allons avoir bientôt, tout ce que nous découvrons, le port de Kribi est en train de se mettre en place pour transporter nos minerais bientôt. Donc il y a le trafic, il y a à faire. Nous sommes un pays en développement et la marine marchande a sa place et est vraiment un grand rôle à jouer dans l'économie nationale. Savez-vous que les pouvoirs publics disent que près de 80% de notre budget vient des douanes, des services douaniers. Et les douanes sont là aux frontières et notamment au niveau des ports. C'est le trafic maritime est grandissant au Cameroun et va l'être davantage. Peut-être, je dirais plus tard, qu'il est souhaitable que notre pays repense son projet d'avoir une compagnie de navigation maritime. Ce sera bien d'abord parce qu'on a de quoi faire. Et ensuite, la main-d'œuvre dont vous parliez, le chômage, c'est un secteur qui absorbe énormément le chômage, qui donne du travail. Vous savez, au port ici, vous avez les dockers, oui. c'est des milliers de personnes qui chargent et déchargent les navires. Oui. Si on ne développe pas nos ports, si nos ports ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas, de recevoir ce trafic, on aurait énormément de chômeurs, tout ce monde-là, tous ces dockers. Bon, donc les jeunes, il y a les ports, il y a le port de Kribi, oui. bientôt, le port de Douala qui existe, il y a Limbé, il faut des officiers. La capitainerie d'un port, elle doit être dirigée par un officier de marine, une personne qui sait ce que c'est qu'un navire, oui. et qui sait ce que c'est qu'un trafic maritime, et qui connaît les problèmes de sécurité maritime. Donc, ah oui, quand les pirates arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a également les pilotes. Oui. Un bateau, quand il arrive, a besoin d'un pilote. Le pilote, c'est un officier de la marine marchande qui est formé dans les grandes écoles de la marine marchande. Oui. C'est un capitaine qui a le même brevet que le commandant du bateau lui-même. Mais seulement lui, il est au port. Mm-hmm. Il suit les évolutions, les changements, les mutations dans le chenal, etc. Les bouées, la profondeur du chenal. Il sait qu'ici il y a un banc, ici il n'y a pas un banc, ici la bouée s'est déplacée. Ça. Parce que le commandant d'un bateau, je dis que par exemple, quand je quittais l'Europe pour aller au golfe Persique, je mettais un mois. Donc le commandant d'un bateau n'est pas régulier au port. Quand il vient, c'est peut-être un mois après, et il peut trouver qu'il y a beaucoup de changements opérés. Alors l'officier dont le pilote, qui est sur place et qui suit toutes ces mutations, va donc l'aider pour rentrer au port en toute sécurité. Donc un pilote, c'est un officier de marine, un capitaine, qui va donner un coup de main au commandant pour que le commandant puisse faire rentrer son bateau en toute sécurité dans le port. Et c'est ce même pilote qui l'aide à la sortie de son bateau. Bientôt, le port de Douala va avoir besoin de pilotes, puisque les pilotes qui sont là sont vieillissants. Ouais. Ils sont vieillissants. Il faut bien la relève, il faut assurer la relève. Et il y a donc, je conseille aux jeunes de s'intéresser aux écoles de la marine marchande. Nos ports les attendent. Les aconies, les sociétés de consignation, les sociétés de manutention ont besoin de ces techniciens, de ces officiers-là. Hein, donc, il y a à faire. Je vais plus loin. Les écoles de la marine marchande en Europe. La marine marchande, c'est des écoles qui donnent une culture générale très, très développée, très vaste. Un bateau, c'est un petit monde qui se déplace sur l'eau. Oui. Le commandant qui est là a tout un équipage avec lui. Il faudrait qu'il s'occupe, si quelqu'un est malade, il faudrait bien qu'il lui donne les premiers soins. À l'école, on leur apprend des notions de médecine. Pour donner les premiers soins, pour diagnostiquer un mal. Quand ils l'ont diagnostiqué, ils se mettent en relation avec les médecins à terre. Pour dire, moi j'ai à bord un malade, voici ce que j'ai, moi, en l'interrogeant, voici ce que je vois, les signes que je perçois.
Et le médecin à terre lui dit, continuez à lui donner ce que vous lui avez donné, mais déroutez-vous dès le premier port. Si c'est grave, il lui dira, dès le premier port, allez le laisser à terre. Donc, à l'école, on leur apprend, aux officiers de marine, des notions de médecine. À l'école, on leur apprend des notions pour les assurances, les avaries maritimes. Le gros des avaries sont les avaries maritimes. Et les officiers de marine ont ça dans leur cours. C'est une partie très importante de leur cours. Ça veut dire que l'officier de marine qui sort dans ces écoles peut travailler à terre dans une société d'assurance et prendre le portefeuille des avaries. Donc, il y a un vaste panoplie de métiers. J'ai dit qu'aujourd'hui, avec la polyvalence, les officiers de première classe, qui sont en même temps des... L'école aujourd'hui forme des ingénieurs maritimes. À notre époque, c'était des capitaines de long cours. Aujourd'hui, c'est devenu une école d'ingénieurs. Mais vous commandez, vous sortez commandant, mais vous pouvez également exercer comme ingénieur si vous ne voulez pas avoir le commandement du navire. Oui. Et ces jeunes-là peuvent travailler dans les grandes structures comme les brasseries, toutes les machines de brasserie. Ils sont à l'aise pour travailler. Donc, ils ont la possibilité de travailler dans les industries à terre. Aujourd'hui, c'est un jeune officier de marine marchande qui tient l'hôtel Sawa sur le plan technique. Oui. Il est ingénieur technique à l'hôtel Sawa. C'est un officier de la marine marchande qui est ingénieur maritime. Donc, les métiers de la mer sont nombreux. Quand vous sortez dans ces écoles, vous pouvez donc être soit pilote, comme j'ai dit tout à l'heure, soit être au commandement du port, comme je l'ai été, commander le port, soit être officier de port. Et quand vous voyez que si vous multipliez le nombre de ports qu'il y a, vous voyez déjà la demande. Oui. Voilà. Vous pouvez également donc, exercer dans les sociétés d'assurance. Vous pouvez être expert maritime, vous installez à votre compte. Vous pouvez être enseignant dans les écoles qui se mettent en place aujourd'hui. Hein, les écoles de formation maritime. Il y en a? Je vais vous en parler parce que quand j'ai terminé ma carrière au port, connaissant les difficultés que j'ai vues pour les Camerounais, j'ai, avec mon collègue, tant que Jean Robert, qui est administrateur des affaires maritimes, nous avons mis en place une école de formation maritime pour former ces officiers de demain. Oui. Comme on s'est rendu compte que depuis que la Cameroun Shipping Line ne fonctionne plus, le Cameroun, la marine marchande, n'a plus conseillé au gouvernement la formation de personnel. Nous nous sommes dit, moi en tant qu'ancien commandant de port, je me suis dit, les pilotes vont commencer à manquer. Oui. Il ne faudrait pas qu'on fasse appel encore aux étrangers. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé, tant que Jean-Robert et moi, cette école, pour permettre à l'État d'avoir des pilotes du lendemain. Pour les ports de Kribi, pour tous ces ports-là, qu'ils aient des gens et qu'on ne soit pas à court de pilotes pour dépenser de l'argent avec des expatriés. Nous avons donc mis en place cette école. Et nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous avons 36 élèves officiers en France, oui, que nous avons déjà envoyés en France. Vous voyez, il y a à peu près 30, dans les 36, notre école reçoit les Congolais, les Gabonais et les Camerounais. Dans les 36, nous avons 26 Camerounais et 10 des autres pays. Il y a aussi des Camerounaises. Il y a 5 Camerounais, il y a 3 Camerounaises et 2 Gabonaises que j'ai formé ici. Dont les femmes peuvent également oser. Mais bien sûr. Vous savez que un peu avant moi, la première femme capitaine, commandant de bateau, c'est une Ghanéenne. Oui. C'est une Ghanéenne. Au monde, c'est la première femme officier de marine. C'est une Ghanéenne. Après, la Russie est arrivée, la France après, mais c'est une Ghanéenne. Elle travaille aujourd'hui à l'Université maritime d'Accra. Oui. Donc nous avons envoyé en France des Camerounais et des Camerounaises qui sont en formation et qui se défendent très bien. Et quel est le feedback que vous avez de ce travail que vous abattez? Est-ce que le gouvernement a quand même un œil reconnaît ou bien vous regrettez d'avoir pensé à cela? Vous savez, je pense que je me suis dit, je devais le faire
parce que je voyais que ça ne se faisait pas. Oui. C'était pas en train de se faire. C'était à la Marie Marchande. Je dis à la direction de la Marie Marchande de conseiller le ministre pour dire attention à la relève, attention à la formation. On ne peut pas évoluer sans n'est-ce pas, ressources humaines. Oui. Attention à la formation. Ça n'a pas été fait. Moi, connaissant mon pays et connaissant les responsabilités que j'ai eues à exercer, je me suis dit, ce problème, il faut le combler. C'est pour ça que nous avons donc mis en place cette école. Oui. Bon. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et d'ici quelques années, quand le port de Kibi va se mettre en place, aura besoin de personnel, je suis content parce qu'ils trouveront des Camerounais. Oui. Ils seront prêts à rentrer pour travailler. La relève est assurée. La relève sera assurée. Voilà. Alors, oui. Alors, ce qui me désole un peu, c'est que c'est les parents qui ont supporté le poids de cette formation. Oui. Nous, à notre époque, nous avions la chance que l'État nous donnait un coup de main. Là, je n'ai que, n'est-ce pas, c'est les parents qui financent la formation de leurs enfants. Il est souhaitable que les ports qui auront besoin de ces gens-là puissent également aider à la formation de ces jeunes. Et nous envoie à l'école, n'est-ce pas, des jeunes qui s'intéressent au métier de la mer parce qu'ils en auront besoin pour l'exploitation des ports. Commandant Monoboum, nous allons sortir de cet entretien. Dernière question, est-ce que vous pensiez parfois à Dieu quand vous étiez dans la tourmente, dans les bateaux? Je suis chrétien depuis ma jeune enfance. J'ai été baptisé très jeune. Mes parents étaient très très chrétiens, très croyants. Et j'ai suivi. Ils m'ont montré le chemin. J'ai suivi ce chemin. Et je pense que c'est parce que je crois et que j'ai la foi que j'ai même pu. J'ai oublié de vous dire que j'ai commandé le port pendant 30 ans. J'ai pris le commandement du port en 1974. J'ai laissé le commandement du port en 2002, près de 30 ans. Mais j'étais au port déjà depuis 1972 comme pilote. Parce que j'ai cumulé des fonctions, j'ai assuré deux fonctions en même temps. J'étais le premier commandant au monde à assurer deux fonctions au même moment. Une fonction de commandement du port et de pilote. Et je les exerçais simultanément. C'est-à-dire que je quittais le commandement pour aller en mer, sortir les bateaux, même en haute mer, en tant que pilote hauturier, pilote de haute mer. Et je l'ai fait pendant 28 ans. J'ai aimé mon travail parce que j'ai aimé Dieu. J'aime Dieu. Et qui aime Dieu aime ce qu'il a, ce qu'il fait, ce que Dieu lui donne à faire, la nature. Ouais. J'ai travaillé parce que la grâce de Dieu, la force de Dieu m'a permis de travailler. C'est pour ça que dès que j'ai quitté, avant même de quitter le port, de prendre ma retraite, j'ai quitté le port pour faire valoir mes droits à la retraite, j'avais déjà le pied dans l'église, pour servir l'église également. Ouais. J'avais déjà servi le monde à travers le port et j'ai voulu servir l'église en acceptant la charge d'ancien d'église. Et donc, je suis ancien de l'église catholique à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ouais. Je suis aujourd'hui président de ce corps des anciens de l'église de la paroisse cathédrale. Et je peux vous assurer que je suis très heureux, n'est-ce pas, de servir le Seigneur, de servir la communauté chrétienne. Et s'il fallait recommencer, mais je pense que j'aurais dû recommencer un peu plus tôt. Oui. Mais c'est le travail qui ne me donne pas le temps de commencer trop tôt. L'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. L'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Voilà, merci. Commandant Monoboum, Manière du Savoir est heureuse d'avoir des patriotes comme vous. Et nous vous disons bon vent, parce que vous êtes encore jeune, hein, c'est dans le cœur, c'est dans la tête. Continuez à nous accompagner, accompagner les jeunes qui veulent prendre également la relève dans ce domaine très très important de notre pays. Et merci d'être passé à Manège. C'est moi qui vous remercie.
Les bonnes oreilles vous ont écouté, commandant Mouno Diana. Mesdames et messieurs, merci et bonne journée. Merci beaucoup.